Aujourd'hui, je vais vous parler du sac 2 compartiments Endzone. Donc un sac qui a la particularité d'être de grosse contenance, puisqu'au total on peut stocker 62 litres. Les deux parties du sac sont en isotherme, donc vous pouvez stocker des zèches soit sur la partie supérieure, soit sur la partie basse. Donc moi je stocke les zèches uniquement sur la partie haute et je garde la partie basse pour faire un sac fourre-tout, puisque c'est quand même pas souvent qu'on a l'opportunité d'avoir un sac d'aussi grande contenance. Alors déjà la partie supérieure elle se clipse sur la partie basse. Voilà, on a également un petit système avec deux clips, deux petits boutons qui permettent de rendre la partie haute prisonnière du bas avec la lanière de transport. Une fois qu'on a déclipsé sur les côtés devant, on retrouve la partie haute libre. Et donc à l'intérieur, c'est très facile de stocker les boîtes à zèches. Voilà, donc on peut mettre jusqu'à 6 boîtes moyennes, 4 grosses boîtes. On peut également mettre les rouleaux à fouillis et puis il est assez haut pour pouvoir mettre des pains de glace. Voilà, donc ça c'est pour la partie haute qui est donc équipée d'une poignée de transport pour pouvoir emmener sur vos tablettes. Ensuite sur la partie basse, donc la plus grosse contenance du sac, donc toujours pareil, fermeture de très bonne qualité. Donc là on est clairement sur la partie stockage du gros matériel, donc par exemple une housse à mouliner, visseuse pour faire l'amorce, voilà, des paquets d'amorce. On peut également stocker des zèches hein, puisque la partie basse, comme vous voyez, elle est en isotherme également. Voilà, donc là on peut quand même emmener beaucoup de matériel. Voilà, vous retrouverez également en partie arrière une poche qui vous permettra soit d'emmener des boîtes à flotteurs ou alors tout simplement des boîtes à bas de ligne, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc le sac en 2 compartiments, 62 litres de capacité, donc c'est clairement le plus gros sac de la gamme. Vous retrouverez toutes les infos des produits sur le site internet de la marque www.daiwa.fr.